c'est drôle, il y a une quinzaine d'années, ma conjointe avait des stages sur la Côte-Nord. Parce que elle et moi, on est de la Gaspésie, donc on se plaît souvent dire qu'on voulait revenir en région, mais on s'est trompé de bord du fleuve. Donc, on venait pour quelques semaines le temps de son stage, et en fin de compte, 15 ans plus tard, on y est encore, donc on a beaucoup aimé la région. On l'a adoptée assez rapidement. Moi, je suis organisateur communautaire, donc je travaille souvent avec la communauté. Et souvent, en région, la communauté, il y a quelque chose de tissé serré quand même entre les partenaires, que ce soit avec les organismes communautaires, que ce soit avec le milieu scolaire, ou même dans certains cas, des entreprises privées. Il y a des connaissances qu'on a avec les gens, il y a une proximité qui est là, qui fait que dans mon cas, c'est très facilitant. J'adore ce que je fais, puis j'adore de la manière dont c'est fait en région à cause de cette proximité-là. Je pense que comme tout bon nord-côtier, on aime beaucoup les grands espaces, on aime beaucoup le plein air, on passe du temps à jouer dehors avec les enfants. Moi, de mon côté, j'ai un côté artistique aussi, c'est développé, je joue de la musique, j'écris aussi, donc c'est ce que je fais beaucoup de mes temps libres aussi. Puis je dirais que la Côte-Nord me permet de le faire aussi. Il y a un côté très inspirant quand même au grand air, là. Mes enfants sont beaucoup impliqués aussi au côté culturel, à leur école. Ils font de l'impro, ils font du théâtre, donc on les accompagne là-dedans. Puis moi, de mon côté, je le disais, je joue de la musique. Mes enfants viennent avec moi, ils sont imprégnés un peu de cet esprit-là, de jouer, de s'amuser, d'être créatifs, là. Les gens, on travaille, c'est facile de travailler ensemble. Il y a comme une ouverture qui est là, il y a une proximité qui est là entre les professionnels. Donc, quand on a travaillé de manière interdisciplinaire ou avec d'autres organismes ou quoi que ce soit, c'est facilitant souvent de travailler en région.